Place. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Encore une fois, c'est toujours un plaisir et c'est toujours avec beaucoup de chaleur que je ressens votre présence et de manière à ce qu'il y ait une totale interactivité entre vous et moi, entre moi et vous, pour tout au long de cette soirée. Encourager l'équipe de Michel Derzakarian. Alors il y a du changement, je vous le dis. Derzak a décidé, face au leader du championnat, de démarrer avec une défense à 4. Retour de Ristić et de Sambia dans les couloirs. Et dans l'axe, il y aura Vitorino Hilton et Daniel Congré. Pedro Mendes ne démarre pas donc le match. Au milieu de terrain, Chota, Ferry, Mollet. Et devant, il y aura donc 3 attaquants. En l'occurrence, Andy Delors, Gaëtan Laborde et c'est la surprise du chef, Ilok Youn, là où nous aurions plutôt attendu, le troisième buteur actuel du MHSC, Stéphie Mavididi, l'anglais qui est lui aussi sur le banc. Donc, ma foi, c'est un choix, c'est un pari plutôt audacieux face au leader du championnat qui n'a perdu qu'une rencontre à l'extérieur. C'était à Brest, 3-2 où nous avons évité la défaite et nous avons ramené un point du Stade Francis Le Blé dimanche dernier. Alors donc c'est parti, vous avez vu qu'on a enclenché le chrono. Ah, ce serait quand même une formidable performance si nous arrivions à dominer cette équipe lilloise, mais voilà, elle regorge le gauche lilloise. Incroyable le nombre de balles qu'il a porté vers ses attaquants. L'ouverture, elle est terrible pour Wea, tout ça dans le but des bêtes. Oh là là, quel but d'école! Quel magnifique but dans l'axe, mais où sont passés nos défenseurs centraux? Incroyable, incroyable passe en deux temps, trois mouvements, deux touches de balle. C'est là la force lilloise extraordinaire de rapidité. Et bim-bam-boum, c'est allé très vite. Le but pour lui. Chers amis, le but pour lui, alors il ne doit vraiment rien au hasard. Ce but est inscrit donc par Timothy Wea. On va le revoir d'ailleurs, je vais vous commenter sur l'écran témoin que c'est plutôt quoi, les images nous parviennent. Voilà le corner qui va permettre donc le remplacement et le retour d'un 11e joueur à l'occurrence, le remplaçant Domagoj Bradaric pour Lille, le Croate qui va prendre de suite sa place dans la surface de réparation car il y a corner pour l'équipe de Montpellier. Allez, il y a matière un peu à s'enflammer dans ça. Alors que nous jouons la 57e minute de cette partie, le corner à venir bien sûr, tiré par Florent Mollet. La plongée au premier poteau, Daniel Congré, et c'est dedans! C'est dedans! Gaëtan Laborde! Gaëtan Laborde qui marque pour Montpellier! Ouais, c'est une égalisation totalement inespérée sur un corner où la défense lilloise n'est pas exempte de reproche là, c'est certain. L'égalisation, Gaëtan Laborde qui marque son 6e but! Gaëtan Laborde, et oui, il avait déjà marqué à Brest. Retour de Hilton, ah là là, il va encore redonner cette balle, Jonathan David, ah là là, le croche-patte de Ristić, penalty, aïe 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 aïe, le croche-patte de Ristić sur Jonathan David, et carton jaune pour Mirailo, à tout est parti d'une passe exceptionnelle de Jonathan Ikoné pour Jonathan David, et voilà que David s'est présenté dans la surface de réparation, revenu du diable vert, Ristić est venu à la rencontre de son... Je vous le dis. Mais franchement, on se dit que tout est possible. Allez, va, magnifique centre de Junior Sambia. Oh, but exceptionnel d'Andy Delors. Oh, quel bon but, le plus beau but du monde entier. Le plus beau but de l'Andy Delors, une papillade exceptionnelle. Un geste d'une beauté inouïe. Oh, ce but de l'Andy Delors, qu'est-ce qu'il est beau sur le centre de Junior Sambia. Retournée acrobatique d'Andy Delors. À 15 mètres du but, Mike Maignan,
crucifié par cette reprise de volée magistrale de Andy Delors. Trop bon le but. Trop bon le but d'Andy Delors. Son 8e but personnel. Andy Delors, quel but sublime. À la 70e minute, je vous l'ai dit, on est capable de réagir, on est capable. Allez, la combinaison entre la borde et Mollet dans la surface de l'opération. Florent, la frappe de Florent Mollet, repoussé par Meignan. Oh, quelle frappe terrible. Seul le gardien de but lillois. Je pense que Florent Mollet aurait inscrit ce but miraculeux. Attention avec Bradaric, taclé. Il laisse l'avantage. Aïe, 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 le 3e but lillois. Le 3e but lillois marqué par Yilmaz. Alors qu'au départ de l'action, il y avait eu une faute sur Bradaric. Et se jeter pour la tête, peut-être du but. Eh ouais, oh non, le poteau. Oh, c'est pas vrai, Gaëtan Laborde sur la première barre. C'est le poteau qui revoit. Et c'est la fin de la partie. Lille s'impose au stade de la Mosson. Quelle dernière action incroyable. Le centre-tir de Florent Mollet, détourné par le gardien de but et par Laborde sur le poteau. Oh, c'est terrible. On va revoir l'action. On va revoir l'action juste à côté. Si toutefois le ralenti peut nous être proposé, parce que là, très franchement, les amis, ah, c'est une fin de match encore plus amère.